Bonjour à tous, ici Brenda, coach en séduction chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté une bombe. Alors pourquoi c'est important pour moi de vous faire ce sujet? C'est très simple, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'hommes notamment, complexent sur les hommes qui sont très bien bâtis, très bien gaulés, qui sont souvent le centre d'attention des femmes lors de soirées ou de rendez-vous, et à côté d'eux, il y a beaucoup d'hommes qui se sentent un petit peu inférieurs ou qui ont l'impression vraiment de faire partie de la déco, tandis que l'objet principal du désir, c'est ce fameux monsieur magnifique. Le souci, c'est que justement, ça ne suffit pas et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a quelques années, je suis sortie moi-même avec un très bel homme que j'avais eu énormément de mal à avoir. J'avais vraiment sorti les gros moyens. J'avais énormément persisté là où avec d'autres hommes, je n'aurais sûrement pas persisté. Et à la fin, j'avais fini par vraiment capter son attention de façon un petit peu appuyée et à lui projeter de l'intérêt et à ce qu'il ait de l'intérêt pour moi. Le problème, c'est que, on est resté seulement 2 mois ensemble avant que je le quitte parce que, finalement, il ne m'accordait pas d'attention. C'est-à-dire que je n'avais plus cette impression d'être unique. Il était très beau. Au début, j'étais très fière d'être à son bras, sauf que je me suis rendu compte que je faisais énormément d'efforts pour lui, tandis que lui n'en faisait quasiment aucun pour moi. Il ne me rendait pas l'impression que j'étais sa copine, mais plutôt que j'étais une jeune femme qui l'accompagnait, son accompagnatrice, mais ça allait pas plus loin et c'était problématique. Pourquoi c'était problématique? Parce que moi j'avais plus l'impression d'être à la hauteur de la femme de valeur que moi je suis, et surtout je n'avais plus pour lui le désir que j'avais avant. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression d'être finalement commune et de pas avoir cette impression d'être unique. Alors vous voyez, il avait beau être beau, il avait beau être charismatique, il avait beau avoir me donner de la fierté physiquement de l'avoir à mon bras, au final, peu à peu, j'ai plus eu envie de lui. J'ai plus eu envie de lui accorder de l'attention. Je l'ai quitté très rapidement. Alors, quelle est la morale de tout ça? La morale, c'est que vous pouvez être un mec magnifique, tout comme vous pouvez être un homme très banal physiquement. C'est pas ce qui va compter le plus. Si vous voulez vous projeter dans une relation dans le long terme, ce qui va compter, c'est la façon dont vous allez être unique avec une femme. Comment vous pouvez la rendre unique? Comment vous pouvez la rendre unique, cette femme? Comment vous pouvez faire en sorte qu'elle se dise « Waouh, mais ce mec, mais chaque jour, je tombe un peu plus amoureuse de lui. Waouh, chaque jour, il m'impressionne, chaque jour, il me rend unique. Et moi, de la même façon, j'ai envie de le rendre unique aussi. » Un couple se construit par des actions fortes. La flamme qui, au début, elle doit pouvoir perdurer dans le temps. Et ça va passer par des actions, ça va passer par des choses qui sont fortes. Alors, comment vous pouvez faire ça? Par exemple, en la sortant dans un resto sympa le samedi soir, sans lui dire quoi? Ça va passer par la surprise, c'est-à-dire le fait de montrer, de faire des actions qui vont lui sous-communiquer que vous avez pris du temps pour elle. Et ce temps, vous ne l'avez pas donné à quelqu'un d'autre. Et c'est ça le secret pour moi pour qu'une relation continue dans le temps. Garder sa liberté, évidemment, mais surtout montrer que ce qu'il y avait au début, c'est pas pour autant acquis, et que l'amour continue de perdurer par les actions fortes que vous pourrez faire pour elle et elle pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé par commentaire. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Moi, j'attends vraiment, vraiment vos retours. Est-ce que vous avez déjà été dans cette situation? Vous, les femmes, est-ce que vous avez aussi déjà connu cette situation? N'hésitez pas à m'en dire plus. Je vous retrouve à très bientôt sur la chaîne Morning Kiss et je vous embrasse.